tout le monde, on est reparti sur le Let's Play, donc sur le quatrième épisode du Let's Play de Stellar Overload, et on va, bah, avant de commencer, aller chercher un petit peu de soin. Là, je me suis un petit peu gouré, vous voyez, en me déplaçant chez lui, je me suis fait attaquer pas mal par des ennemis, et donc j'ai utilisé toutes mes choses qui me soignent. Donc là, je vais devoir retrouver un endroit où, oula, attention, là-bas, un endroit où je vais pouvoir me soigner, et pour cela, il va me falloir choper un peu plus d'eau, car je crois que j'étais arrivé à la limite de l'eau. Donc là, il y a un petit étang, donc on va choper de l'eau. Ouais, on va choper de l'eau et puis on va chercher un village et on va pouvoir craft avant de revenir ici. Donc, ok. Oups. Ouais. Alors, on chope l'eau. Là, il y en a pas mal. Oups, ça a sauvegardé. Quand ça sauvegarde, ça frise toujours un peu sur le jeu. Ok, donc là, j'ai chopé un gros paquet d'eau, alors on va le choper un peu plus. Ok, ça devrait être bon. Alors on va reprendre notre petit vaisseau et on va chercher un village. Ah, il y en a un. Ah oui. Là c'était le village avec les choses corrompues. Là il y a des ennemis. On va déjà voir si on n'a pas un autre plutôt que celui-là. Peut-être par là. C'est un endroit corrompu. La majorité des choses dans le coin sont corrompues hein, par les lanites. Bah, y a quelque chose. Je crois que je peux craft quelque chose là-bas au sein téléport. Non, on va pas pouvoir y aller, c'est corrompu, il n'y a que des ennemis autour. On continue à la recherche du village élusif. Avec la distance de vue réduite, j'ai été obligé de réduire la distance de vue à cause de la base. La base est un bouffe de puissance, donc là c'est un peu plus bas que dans les épisodes précédents. J'espère que vous me pardonnerez, mais j'ai pas trop le choix. Ok, alors là il y a un village, normalement. Si on reconnaît les petits blocs, ouais voilà. Ah, ok, même chose. On va essayer quand même d'aller dedans et voir. Alors, vous m'aviez dit dans les commentaires que ça, c'était plus puissant. Donc, j'ai regardé. Effectivement, le lance-bloc fait 300 de dégâts contre 100 pour le pistolet. Je sais pas pourquoi. Donc, on va... Hop, y aller comme ça. Donc, les blocs tombent un peu. Donc, il faut viser un petit peu au-dessus. Voilà, on va voir ce qu'ils ont fait tomber. Ah, une nouvelle recette. Petite caisse. Alors, non, je crois qu'on a 29 sur 160 pour avoir la petite caisse. Donc, on est encore un petit peu loin. Ok. Tuer. J'ai peur, vous voyez, que les petites choses... Et une caisse. Ah, des bandages. Bah tiens, ça, c'est génial. Et de l'eau. Par contre, je peux pas craft. Et ça, on en a suffisamment. Où est-ce qu'il est, mon petit véhicule? Pas dans... Ah, il est là. Avec la distance de vue réduite. Bon, on va essayer d'y aller dans le... Dedans comme ça, hein, dans la base. On va faire le tour. Si on trouve pas de nouveaux villages, on va rentrer comme ça dedans. En espérant que je vais pas mourir. Alors, l'entrée est là-bas. On va mettre notre véhicule devant l'entrée parce qu'après c'est super dur de le retrouver. Parce que je crois pas que ça laisse une marque sur la minimap. Ok, tu es là, parfait. Est-ce qu'il y a des ennemis? Est-ce qu'ils ont repop? Ouais. Lui éliminer. L'écureuil est pas agressif théoriquement. Et lui on peut l'ignorer là-bas. Est-ce qu'il y a des tourelles? Non. Purée, ça rame. C'est quoi qui est là-bas? Oh là là, c'est quoi ce bâtiment? Oh purée.
On est bon. La structure de celui est étonnante. Il semblerait en effet que la forteresse soit presque entièrement composée d'acculoïdes agglutinés. Ces petits virus autorépliquants ont réussi à créer une structure complexe et fonctionnelle. Ok. Attention, ça va se transformer. Ah, ça a sauvegardé. Merci pour les dégâts en plus. Purée. Hein ? Alors, je vais utiliser toi. On continue. Ah oui. Je vais sortir d'ici, c'est affreux. Faut que je descende en bas? Sérieux? Ok, on va soigner. C'était un super truc, ça, c'était mettre la tourelle devant le téléport. Ok. Ah, on ne peut même pas protéger. Bon, ok. Là, je sais pas où je suis. L'assaut de la forteresse. Je suis descendu là, je crois, apparemment, vu de ce que j'ai fait. Ça m'a fait sauter. Aucune idée. Dois-je aller en bas? Je dois mettre des puces d'accréditation, j'ai aucune idée d'où je l'échappe. Ok, là il y a une tourelle quelque part. J'entends le bruit. Elle est derrière probablement. Ouais, elle est là-haut. Ok. Munitions. Recette de combat. Génial. Il n'y a plus de recette à la catégorie combat à prendre. Zut. Pas cool. Là-dedans.
Ouais. Lance-bloc, bah j'ai déjà ça. Finalement, ça m'a pas servi à grand chose d'utiliser une puce d'accréditation. Dois-je monter dans le télé... aller dans le téléport? Oula. Donc là, j'ai déjà été là. Apparemment, vu que j'ai ouvert là-bas. Quoi vers là-bas? Parce qu'il y a un truc comme ça. Ah, il a dash. Il est pas mort encore. C'est bon? Alors je continue à aller vers là-bas pour voir ce qu'il y a là-bas. Est-ce que c'est juste du minerai ou... ou c'est un passage vers un endroit secret. Terre brune. Ah, c'est un peu long pour un passage secret, je me dis. Regarde, ça fait freeze toujours. Charbon, j'en ai pas besoin là tout de suite. J'en ai pas mal. Partout également. Ok, ça me fait sortir de la base. C'est une entrée secrète. J'ai l'impression. Je vais quand même aller au bout. C'est quoi? Cuivre, ok. J'en ai. Purée. Profond là-bas, ok, ça sert à rien. Je me disais, vous voyez, pourquoi il y avait ça, mais au final, ouais, dommage. Je m'attendais à un passage secret. Donc on retourne. C'est plus rapide, je pense, de faire ça que d'y aller en rampant. Bon, ok, on est revenu. Alors, si je vais par là, apparemment, bah non. Au vu de la map, j'étais pas allé vers là. Même si il y avait déjà la puce d'accréditation, c'est quoi ça? Un toutou. Alors, recette de construction. Recordeur. Ok, hop, hop, hop. Parfait. Du tissu, de la céramique, du plastique, bah merci pour tout ça. Oh purée. Purée, 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 purée. On va le péter. Ça utilise beaucoup de blocs, mais j'en ai un paquet de blocs là. Par contre, il me reste plus que 3 de soins. Hein. Ah, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Ok, bon, bah on oublie. Est-ce qu'il y a une porte d'abord là-haut? Il n'y a même pas de porte, donc ça sert à rien d'y aller. Oh, des points de vie perdus pour rien. Par là. Apparemment, je n'y suis pas allé. Vous pouvez pas faire tomber des points de vie, enfin des... Les légionnaires sont fabriqués en série. Apparemment, Merx étant une petite planète, ils ont envoyé la série la moins évoluée. En effet, j'ai remarqué qu'en me dissimulant derrière un mur... Ouais. Ok, donc apparemment les robots là sont bêtes, mais c'est exprès. Combien j'ai de puces d'accréditation? J'en ai 600. Ok, je sais pas où je l'ai chopé. Là-dedans. Oh purée.
Regardez, toutes les bonnes recettes sont en bas. Question, c'est que j'ai pas beaucoup de points de vie. Est-ce que je tente d'aller là-bas? Avec le lag, j'ai un peu de mal à aller où je veux. C'est 89 blocs vers le haut, apparemment. Si je retourne là-bas. Ah, purée, bah lui. Lui, il sautait. D'accord. Est-ce que je... La question c'est, est-ce que je dois aller à l'endroit, pile à l'endroit qu'il pointe ou quoi? C'est là que j'étais tout à l'heure ou quoi? Je sais pas où aller. Je suis revenu là, zut. Donc c'est pas là que je vais aller. Purée, ça rame. Ok, accréditation chopée. Ok, là j'ai l'impression d'être dans une prison. Peut-être qu'il serait là-dedans, Xander. Alors, ah, ragoût, génial. Recette médicale, il n'y a plus de recette médicale à prendre, vite. Dommage. Ah, ça c'est bon par contre. Un peu d'eau. Alors ça c'est volontiers, je vais déjà claquer toi. Ah, le ragoût, je crois que j'en avais déjà. Oui, j'en avais, ça m'en fait deux. 20% de soins, et toi, 20% de soins. Ben, on va y aller, on va mettre le ragoût là. Et on va déjà... Bon, on va claquer le ragoût, comme ça libère une place dans l'inventaire. Voilà. Ah, des prisonniers. Bon, avant. Tu veux pas me parler? Tu veux pas sortir? Il ressemble pas à notre frère, lui? Pourquoi est-ce qu'il y a des... Parce que c'est du pain, ok. Pourquoi il y a ces choses dans les prisons? Ah, c'est peut-être pour qu'ils puissent manger. Et donc toi t'es pas... Ah, il est parti. Oh, je suis désolé comment ça rame, mais là... Je peux pas y faire grand chose. Est-ce qu'il y a d'autres prisons? Ok, donc on va revivre là, je sais pas si c'est une bonne idée, mais on va revivre là, ok. On continue, alors on ignore les petits.
Je cherche toujours des endroits pas visités. Ok, quoi. Vous continuez à me suivre ou quoi? Alors, je vais prendre le ragoût. On continue. Ouais, là, je remplis la map petit à petit. Maintenant, je me fie à elle pour voir les endroits où je ne suis pas allé. Ok. Il y en a plusieurs des comme ça, apparemment. Alors. Ok, tout droit et à droite. C'est une autre prison. Prisonnier standard. Alors, on chope. Ah, génial. Bon, j'ai plus recette médicale. Toi, tu vas sortir. J'espère que tu vas m'aider à combattre les gars. Toujours un prisonnier standard. Oula, petite save. Ça. 30% de soins, génial. On va laisser les recettes médicales au cas où les développeurs en ajoutent dans le futur. Ah, j'ai plus de... Il va falloir que j'étruise des choses pour choper les accréditations. Puis si je dois descendre en bas... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, accréditation, ok. Donc je peux retourner pour la dernière des prisons. Ah, c'est génial, peut-être qu'ils vont me donner de l'accréditation. Je sais pas s'ils en donnent ou si c'est les robots qui les donnent. Ça n'a pas l'air d'être... Ok. Ici, c'est un prisonnier standard encore. Zut. Alors, tout ça, c'est bon à choper. Et on va devoir trouver d'autres prisons. Alors, sortons la map. On a fini... Oh, purée, il y a combien d'étages? Il y a 3 étages en dessous. Il y a 13 étages en hauteur. Sérieux? Ok. Bon, bah... On continue. Je vais devoir baisser la qualité hein, pour les épisodes suivants, ou plutôt la résolution, malheureusement. Oups. Je pense que le peu importe le PC que l'on a, le jeu là est au-delà de ce que l'on peut avoir en temps normal. Hein. C'est du 4K dans cette avec autant de blocs autour, c'est juste pas possible. Bon, encore, ça dépend des endroits où je suis dans la forteresse. Là, ça va encore, mais il y a des endroits où c'est juste pas jouable. Alors là, ce que je veux faire, c'est que j'aimerais descendre. Et on en est à 24 minutes. Bon, on va s'arrêter là. Regardez, là, je le sens, hein, encore la baisse. Je sais pas pourquoi. Ça doit être plus détaillé que les autres endroits où il y a plus de couloirs, je sais pas. Ah, c'est de là que je revis. Ah, voilà. Donc là, on est à quel étage, là? Là, on est au moins 1. On va devoir aller voir ce qu'il y a là-bas et à ces endroits. Ok. Donc voilà, bon, on va s'arrêter là pour l'épisode. On va essayer d'être plus systématique pour l'exploration. Oula, c'était quoi? Pour l'exploration future. Ah, c'est un prisonnier. Donc merci à vous. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Bye bye.